Et bonjour. Alors, ça va être une nouvelle vidéo sur Final Fantasy VII Remake. C'est. Cette remake, la partie avec. Ah, j'ai oublié son nom. Luffy Kitaragi. Donc là, on doit aller. Ici, en fait, on doit aller. Enfin, déjà, pour commencer, on doit se rendre ici, la tour Shinra. Cette partie, on va y aller. Déjà pour commencer, je me trompe pas de chemin. On va plutôt passer par le haut. Les explosions ont rendu les créatures complètement. En folle apparemment. Je suis sûr que la milice se serait bien passée de ça. Alors, vous avez entendu, une dame a dit pourquoi le 7e ciel est fermé. Et alors, je pense que vous l'avez déjà vu. Ça provoque ça en fait. Après ce qui s'est passé hier, c'est pas étonnant. Qu'est-ce qui se passe? Dachao, c'est toi? Dachao. Ça provoque ça. Elle va sûrement pas tarder à arriver. Ça va, c'est le bon chemin. On va aller vers la gare en fait. Vers la gare des trains, on va tout droit. Qu'est-ce qui se passe quand c'est la gare? Il n'y avait pas une fille au lit. Hein? Où est-ce que tu te caches, mon cher ami féru de duel à moto? C'est génial! C'est la première fois que je vois un soldat aussi près! Ce type de la Shinra est simplement venu chercher un ami. Je suis venu exprès pour toi! Ne fais pas ton timide! Sors de ton trou et viens me retrouver! Ah, c'est lui là? Lui qui est comme ça? Mademoiselle! Ah, Rocher. Dites-moi, seriez-vous par hasard une connaissance de mon cher ami? T'es qui toi? T'es de la Shinra? Bien observé! Je m'appelle Rocher! Et toi? J'ai la vague impression que tu es une petite fauteuse de troubles. Mais ne t'inquiète pas, je suis ici pour une affaire privée. J'essaie de retrouver un ami. Il s'appelle comment? Oh mon Dieu! J'ai complètement oublié de lui demander son nom. Mais il est un peu comme moi, animé d'une passion des plus brûlantes. Il porte une énorme épée sur son dos et un amour encore plus grand pour la moto. D'accord, je vois. Bon, et à part ça, tu voudrais pas faire une partie de Fort Condor avec moi? Ah, Fort Condor! Ha! C'est une bonne idée, ça. Je commençais justement à être un peu là d'attendre mon cher ami. Je vais continuer l'histoire pour le moment. Je verrai plus tard pour le Fort Condor et enfin, tout ce qui est les quêtes. Annexe, le Fort Condor, la tortue, je sais pas quoi. Je verrai plus tard, je retournerai le voir. J'espère que Nayo et les autres ont réussi à se cacher. On ferait mieux de s'inquiéter pour nous-mêmes pour l'instant. Oh. En fin de compte. Oh. Et tout ça. Hein? Ils vont vraiment reprendre le service aujourd'hui? Oh.
prêt? Oui, moi. Si je paye pas mon loyer, il disait que je vais me retrouver à la rue. Quoi? Comment tu vas faire? Si t'as rien de pressé, tu ferais mieux de rester ici. Je pouvais pas espérer. Chef, t'as fait tout ce que t'avais à faire? On sait pas quand on pourra revenir. Ouais, c'est tout bon, on peut y aller. Oh là là, c'est quoi tout ce monde? Messieurs dames, suite à l'attentat contre le réacteur numéro 5, le trafic est fortement perturbé. Notez que les trains ne s'arrêteront pas à la gare du secteur 5. Merci de votre compréhension. Ils ont réduit le nombre de trains à cause de la faction. Si vous ratez celui-là, vous serez bloqué un bon moment. Vous devriez vous frayer un chemin. Bon, à plus tard. Désolé qu'il faille se presser. Voilà, je viens de retrouver le nom, c'est Intermission, voilà, donc F7 Remake Intermission. J'étais en train de chercher le nom depuis tout à l'heure. FF7 ou Final Fantasy 7 Remake Intermission. Je me sens pas bien. Ou Intergrade aussi. T'as la nausée ? Les deux noms sont... c'est les deux noms. Intermission ou Intergrade. Si je reste debout, je crois que je devrais réussir à tenir. Rigole pas. Melfi aussi avait le mal des transports. En bateau, à Chocobo, elle aurait pas supporté le train. C'est qui, Melfi? Ma petite sœur. Pendant quelques années, ton père nous a pris comme disciples. Elle était bien plus douée que moi. Était? L'année de l'armistice, une arme automatisée de la Shinra s'est emballée. Elle a essayé de l'arrêter. Je me suis promis de la venger. Tu sais, moi je suis pas ta petite sœur. Chapitre 2, le vol de la matérielle. Tout se passe comme prévu. Oui, les Turcs s'en occupent. Tout se déroule à la perfection. Monsieur, s'il vous plaît, reconsidérez. Je vous en prie. Le bidonville du secteur 7 abrite plus de 50 000. Je dirais une... Rive. Une cinématique qu'on a déjà vue dans le premier. Laissez-nous au moins donner l'ordre d'évacuer. Dans cette remake, à ce passage-là. Quand te débarrasseras-tu enfin de cette naïveté inappropriée? Rive. Ces sacrifices sont nécessaires pour avancer. Il va falloir t'y faire. C'est un sacré bordel ici aussi. Bon, allez, on bouge. Cette foule me donne le tournis. S'il vous plaît, attendez. Vous êtes de la compagnie Shinra, n'est-ce pas? Nous avons entendu dire que le secteur 7 sera la prochaine cible à commenter. Est-ce qu'il vise le réacteur numéro 7? Vous, là, restez où vous êtes. Partez d'ici tout de suite. Allez, bien sûr, c'est pas votre attaque. Les ascenseurs, dépêchons-nous. Heureusement qu'on a ça. Allez, vite, vite. Alors... Attendez. Oh.
Quel étage ? Sous-sol. Département de l'armement. Cet ascenseur descend. Fermeture des portes. Je vous jure, comme si j'avais que ça à faire. Le Wutai n'est plus ce qu'il était. S'allie aux terroristes d'Avalanche pour venir nous attaquer en traître. Et dire que l'on considérait les Wutaïens comme étant un peuple honorable, il semblerait que ce soit de l'histoire ancienne. Les Wutaïens de nos jours ne sont que des moustiques qui tournent autour de la Shinra. Non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Vous n'êtes pas d'accord ? Si, bien sûr. C'est tout à fait ça. Charmante. Attendez ! Désolé. Pour les rats du Wutai, c'est par là-bas. Vous allez servir de cobaye aux toutes dernières armes de nos laboratoires. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Mais merde ! Je suis piégé. J'ai raté une occasion en or. C'était Scarlett, la directrice de l'armement. C'est une de ces sales machines qu'a tué Melfi. Calme-toi, Sumon. Respire. Rappelle-toi, on est là pour quoi ? T'as raison. Désolé. T'inquiète. J'ai des raisons de la détester, moi aussi. Elle aurait pu nous montrer où se trouve la matéria ultime. Où est-ce qu'elle nous envoie ? Si c'est comme ça, on va jouer. La section de recherche sur les matérias, hein ? Prépare-toi, ma petite sphère magique. Allez, en avant tout là, on va tout droit. On va à différentes salles. Qu'est-ce qu'on en a rien par là ? Par ici, on n'en a rien. Là, on a une petite sauvegarde. J'ai de quoi acheter. Non. C'est pas grave, ça. Ça nous reposera. On a rien, là. C'est quoi ? Ah non, mais j'ai. Ah ouais, j'ai zéro. Zéro argent, donc je peux rien acheter. Ah, j'ai même pas la contrainte en plus.
permet d'utiliser son œil. Tant pis, c'est pas grave. On va faire une petite sauvegarde. Sauvegarder. Nouvel emplacement. Le numéro 4. Chapitre 2. Continue. Visite bien les salles. Là, on a une coffre. Non. Ah mais ça, ça c'est comme ça au final. C'est ici, ok, d'accord. Une grande salle. On va devoir aller au milieu, je suppose. Non, mais regarde un peu ça! Il y a des armes partout, c'est la folie totale! Ils sont vraiment prêts à tout faire péter! On peut dire la même chose de toi? Ouais. Je suis pas comme mon ivrogne de père, moi. Contrairement à ce vieux mollasson, je suis toujours prête à passer à l'action. Qu'est-ce qu'il fait ces derniers temps? Il est dans une cellule. C'est le gouvernement provisoire qui l'a enfermé. Ça lui donnera l'occasion de réfléchir un peu. C'est de mon maître que tu parles. Essaie de pas trop dire de mal de lui. Ouais, t'as raison. Je préfère même éviter d'en parler. Ça fait que m'énerver de toute façon. Et on a mieux à faire. Vos histoires de campagnards sont d'un ennui. Finis les bavardages maintenant. Nous allons commencer notre expérience. Une petite remarque au cas où. Essayez de ne pas mourir dès la première phase tout de même. Protocole de test activé. Début de la collecte des données de combat. On peut y arriver. J'étais sûr, j'ai vu un choix. Dans le mille. T'as fini. Voilà. Allez. Tu l'as senti passer, hein? Je te tiens. Pourquoi? Où c'est ça? Prends ça. Sérieusement? Ouais. Mais il y en avait un autre derrière en plus. Déjà fatigué? Qu'est-ce que à ma merci? Prends ça! Les doigts dans le nez! Hop, c'est... Équipement matériel, Luffy, boomerang. Ça, c'est ce que la maîtrise à 100%. Et celui-là, disparition nébuleuse. Disparition nébuleuse. Disparition nébuleuse. Effectue une esquive en octroyant un instant d'invulnérabilité.
augmente la TB en cas de réussite. Utilisable en l'air. Ah donc c'est la compétence, il faut utiliser disparition. Ok, disparition. Préparation de la phase suivante. Il y en a encore ? Protocole de thèse activé. Début de la collecte des données de combat. Je déteste rien de plus que la Shinra. Et on va bien leur montrer. Oula. Prends ça, t'es dans le caca là. Compétence. Qu'est-ce là? Voilà. Et voilà. Trop facile. Sonon, tu pourrais me faire la courte échelle? Oui, chef. La courte échelle. C'est bon, je peux casser. Je vais faire une dernière fois. Ouais, c'est bon. Super. T'as plus qu'à grimper. Ah, 100%. Ah voilà. Ben, ça a été vite. En un combat, ça a été vite. Vite fait, 100%. Bon, je crois qu'on va pouvoir passer à celui-là. Attaque physique. Ah ouais, petit 18. Par contre, ça baisse pas mal de d'attaque magique. En défense physique aussi. Et en constitution. Bannissement. Augmente augmente. De puissance en dépensant des barres ATB pour d'autres commandes, change avec ninjutsu élémentaire utilisable en l'air. Frapper un ennemi avec une attaque bannissement de niveau 3. D'accord. Conserver la disposition des matériaux de l'arme précédente. Ah oui, d'accord, là c'est comme ça. Ça marche une matériel. Là c'est que deux là.
Ouf. Conserver la disposition des matériaux de l'arme précédente. Oui. Et donc, bannissement, ok. Il a toujours son bâton long. Maîtrise de rage de fer long. Faudrait que j'utilise. Plus qu'à suivre. Madame, s'ils continuent, ils vont bientôt atteindre les laboratoires. Laissez-les faire pour le moment. Essayez plutôt de découvrir ce qu'ils veulent. Bien. Vous les avez vus se battre, non? C'était stupide de leur part de penser qu'ils pourraient s'infiltrer aussi loin. Mais ils sont très bien entraînés. Des shinobi du Wutai. Bien qu'ils soient encore un peu jeunes. Voilà qui promet d'être divertissant. Nous allons les accueillir comme il se doit. Je vais aller vérifier que ma monture est prête pour l'occasion. N'oubliez pas de me faire un rapport. Oui. Éteignez le système principal des labos. Limitez l'accès aux données hautement confidentielles. Et cherchez leur objectif suivant ce qu'ils rallument. Ouvrez l'œil. Observez le moindre de leurs mouvements. Oui. Materia. Ou tu pièges. Ça c'est fait. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est un matériel. Ça sent la matéria, non? Les voilà, ces rats du Wutai. Ça va être possible. Compétence, bannissement. C'est dans la poche. La frappe. Non, non, non. Ça y est. C'est moi ou il fait vachement sombre ici? Cette machine a l'air d'être arrêtée en plus. C'est bien ce que je pensais. C'est ici qu'ils fabriquent les matérias. Mais celles-ci ont l'air plutôt ordinaires. C'est pas ce qu'on est venu chercher. C'est pas grave. Je vais quand même toutes les récolter. Thank you.
Bétonne-rapporteur. On revient au départ. De l'autre côté. C'est tout ça. Y a rien. On va aller voir ce qu'il y a ici. Niveau 1 du système principal activé. Chargement de l'énergie Mako en cours. Déploiement des grilles de sécurité. Celui-là. Qu'est-ce que c'est comme matériel bleu de canon Shinobi? Ok, matériel bleu de canon Shinobi. Matériel. Je sais quoi, ça vole, esquive offensive, parade, analyse. Garde renforcée. Esquive offensive. Avec le canon de Shinobi. Matériel permettant en appuyant sur le triangle en mode synchronisation de faire attaque spéciale qui augmente la jauge attribuée de son nom. Ok. On va tester. Grimper cette barrière pour aller voir là-haut. Mmh.
Oui. Ah bah non. Y a pas l'air d'y avoir la moindre trace de matériel ici. Peut-être un peu plus haut. Je regarde. Scrute un petit peu. Là. Je... arme production, ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah, un coffre. Oh, ruban. Ruban, tout le monde est matériel. Protège des altérations d'état. Réduit les chances d'être interrompu pendant l'utilisation d'un sort. Oh, mais c'est trop bien les rubans. Les rubans dans les Final Fantasy, ils sont trop bien. Ça, c'est trop bien. C'est quoi ce bruit? C'est ça. Il me semble que j'avais vu quelque chose en bas aussi. Et avant de monter, je vais redescendre revoir. Ça marche plus son truc. C'était cette porte que j'avais vu tout à l'heure. Attention, aucun étage n'est actuellement admissible. Sérieusement? Y aurait pas une autre sortie par hasard? Sérieusement? Y aurait pas une autre sortie par hasard? C'est ce que je voulais voir. Il faut remonter. Là où il y avait le coffre tout à l'heure, c'est ça aussi. Où est-ce qu'il faut? Oh, ça a l'air loin, dis donc.
Alerte. Qu'est-ce qu'on a ici? Brassée de puissance magique. Ça m'enlève de la constitution et de l'esprit. Et par contre, ça me fait une défense physique et une défense magique. Pourquoi pas? Ça me fait qu'un seul truc et j'ai plus rien quoi. Bah, je vais garder ça. Ah oui, du coup... J'ai mis quoi parade. Et j'ai quoi là? Je fais ça à vol. Je vais mettre du soin par contre. Du soin. J'ai pris la parade. Parade submune. Une attaque anticipée augmente un peu la jauge de remplissage. Alors, t'es bien en début de combat. On n'a pas vu le gars, quoi. Tu vas le payer. C'est d'autres caisses, non? Là, ça s'est fait. À 40%. On va passer par là. On suit le chemin.
traverser. Pour suivre la carte. Et ça bouge pas. Ça bouge pas. Et c'est pas un, c'est ça. D'accord, oui. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Un petit boss en face ou quelque chose comme ça. Yes. Un petit boss en face. Mais t'es sûr hein. Oula là là, Mega Magitech. Je vais pas te rater. Tiens. Attends. C'est pas possible. Prends ça. Et non, rien à voir. Ok. Tiens. Je te tiens. Sérieusement. Oh, oh. C'était un piège. C'était pas dur. Ah, il y a d'accord. Ok, d'accord. Ah, en fait, c'est à la fin que j'aurais pu essayer de voler quelque chose. J'en sais rien. T'arrives de là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà, on a un coffre déjà. Je sens mal déjà. Bâton du démon, tiens. Bâton du démon. Je fasse ça à sa maîtrise déjà pour commencer. Ah mon hacker ram... Ah ouais putain, hacker ram pour l'instant. J'utilise un peu son petit peu de temps en temps. Pour la compétence de son bâton.
Quoi c'est grand ça? Là. Tout ici. Ah, j'ai l'impression d'être revenu de l'autre côté en fait. De l'autre côté, attends. C'est peut-être de l'autre côté. Système déconnecté. Veuillez activer le terminal central. D'accord, le terminal central. Je crois que c'est fermé parce que c'est rouge. Activer le terminal central qui est juste ici. Niveau 2 du système principal activé. Chargement de l'énergie Mako en cours. Déploiement des grilles de sécurité. Ah voilà, notre passerelle vers la Materia. Verrouillage des portes désactivé. Tiens tiens. À moins qu'elle soit cachée dans cette salle là-bas. Sur la piste de la Materia. La salle mystère. Ascenseur. C'est quoi là? Sur la piste de la Materia. La salle mystère. Et on peut pas monter là ? Si. Ça va être celui-là, la salle mystère. Des haricots, des fèves d'Achao. Ouais, j'en ai. Tu l'as mâché? Bien sûr que oui. Ça me fait trop plaisir, son nom. Je te comprends. On se sent plus fort quand on est entre compatriotes. Ouais, c'est rassurant. C'était pas ici. Je voudrais redescendre quand même. Je sais quelle est cette fameuse salle secrète. Hein. Alors, je crois que c'est arrivé de là. Mais... Obstacle. Alors, je vais repartir en bas quand même. Je pense que c'est pareil. Trop vite quand même. Permaco et PM restauré.
Donc, je vais retourner en bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en bas. Et je vous mets la suite juste après. Là. De toute façon, je vais mettre cette partie-là sur YouTube. Et je reprends la suite. Là, je suis à 56:30. Je vais vérifier un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi. Allez, je reprends la suite. Je mets cette partie-là sur ma chaîne YouTube. Qui est, je vais vous dire ça. Alors, ma chaîne c'est Jeannot2984. Je vais mettre cette partie-là sur ma chaîne. Je vais lancer la vidéo sur ma chaîne YouTube et je reprends la suite juste. Je reprends la suite maintenant. Quoi. Juste le temps de mettre la vidéo sur la chaîne et je reprends de suite la vidéo. À de suite.